Salut à tous les amis. Je prends ma voix virile. Donc salut à tous, bienvenue. Ici LXLSX pour un nouvel épisode de notre aventure sur Skyrim. Yeah. Donc, dans l'épisode précédent, on a commencé notre route jusqu'aux terres des chutes tourmentées. Entre temps, on a récupéré Sven, voilà. Un chouette gars qui va nous accompagner dans cette petite aventure. Hein. Donc je l'ai un petit peu équipé dans l'épisode précédent avec des petites pièces d'armure que j'ai trouvées par-ci par-là et un espadon. Le fameux espadon que j'avais dans mon inventaire mais que j'utilisais pas. Et donc maintenant, bah écoutez. Ouais. Attendez. Vite, vite, faut cacher le corps. Faut cacher le corps. Voilà, caché. On va dire, voilà, sur les tonneaux, on va dire qu'elle était bourrée. Hein, qu'elle était complètement, complètement défaite, qu'elle a bu trop de vodka et qu'elle a fait un coma éthylique. Voilà. Donc, je disais. On va aller donc vers le tertre des chutes tourmentées. On avait commencé un peu la route, on est tombé sur ce mini donjon, enfin cette petite tour là, comme ça. Où on avait cassé la gueule à 2-3 bandits. Bon alors t'arrives Sven ou... C'est bon, il me suit, c'est impeccable. Il est formidable. Il est formidable. Allez hop, on continue. Hop, 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 hop. Ouah oui, ça... Ouf, il a l'air de faire froid ici. Hein. Ça gèle, ça gèle, ça gèle. Ah, je crois que c'est ça par contre le tertre. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, on y est. Bon bah, voilà. Premier gros donjon du jeu. Alors. T'arrives? Ouais, c'est bon. Il me suit, ça va. Il me suit, il me suit. Ah, il y a des ennemis. Ah ah! Salut! Bien joué Sven. Et level up. Alors hop, voilà, je te déshabille. Voilà. Qu'est-ce que... Oh non mais oh. Ouais ouais ouais. Encore un là. Bon Sven, je te laisse t'en occuper. Je vais faire ça. Merde. Ok, j'ai... Ah j'ai une idée. Alors... Ça va augmenter la vigueur, ça va augmenter un peu le poids. Oui, c'est un ami qui m'a fait remarquer qu'effectivement, ce n'est pas à chaque niveau que la jauge de poids augmente, mais c'est quand on augmente la vigueur, hein, simplement. Donc oui, ça c'est un truc que j'avais, je cache pas que j'avais jamais vraiment faire, jamais vraiment remarqué. Donc je m'en excuse hein, si certains étaient en train de hurler en me le disant derrière leur écran. Ça arrive, hein, écoutez, chers amis. Alors. Je vais mettre un point en forge d'acier parce que ça, ça me servira pas mal. Et un autre en parade. En parade ou en arme à une main? J'hésite. Ouais, plutôt en arme à une main histoire de faire un peu plus de dégâts. Hop, et voilà. Il est où? Salut. Yeah. Ah, pas trop mal. Alors. Hop, et allez, je suis encore un peu trop lourd. Ouais, je suis encore un peu trop lourd. Bah écoute, Sven, ramène-toi. Je vais te faire porter 2-3 trucs, toi. Ah, voilà, c'est bien ce que je pensais en envoyant maintenant eux. On peut donner des ordres à nos acolytes hein, pour les faire se déplacer, récupérer des trucs, tout ça. Alors, et ben... Non, c'est bon, tu es venu en fait, j'avais même pas besoin. Alors. Je suis derrière vous. T'es devant, moi plutôt, pas derrière, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va échanger des trucs. Ce coup-ci, ouais, je vais encore donner 2-3 trucs à un ami. Alors, l'armure de fer, je te la file. Je te file aussi armure cloutée, l'armure de fourrure aussi, armure en peau, botte en peau, bouclier en peau. Et quand t'es en peau, quand t'es de fourrure, chaussures de fourrure. Et en armes, je vais te filer. Qu'est-ce que je vais te filer? 2 arcs longs, un arc de chasse. Voilà. Alors allons-y. Et tu portes toujours ce que je t'ai dit de porter, c'est parfait. Allez hop, on continue. Alors, c'est ici. Voilà, c'est ici l'entrée. Je fais rien à tour. T'arrives ou? Ah, voilà.
Non, je vais pas rentrer tout seul, moi, t'es fou, toi. Hop. Voilà. Ah, c'est un peu glauque l'ambiance quand même dès qu'on rentre. Hein. Ah. Avec des Ragnar morts. Ah, t'as pas eu de bol, toi. Ou une épée d'acier, pas mal ça. Hop, tu en fais. Hop. Ah merde. Bon, il voulait m'ajouter le fufu. Essayez, tant bien que mal. Ça a pas trop marché. Tant pis. Wouah. Je sais pas ce qu'il lui a fait. Je crois qu'il a énormément fait mal. Hein. Je vais pas tirer moi. Quoi. Yeah. Stylé. Alors toi t'avais quoi sur toi? Ça fait, hop, ouais, d'accord. Hop. Lui il est vide. Ouais, que Dragnar, que Dragnar. Bah t'avais quoi sur toi ma belle? Ensuite, oh, un coffre à crocheter. Alors, ah, presque. Yeah. Hop, hop. Ah, je pourrais le revendre ce bouclier. Ou désenchanter éventuellement, ça me fera un peu de niveau en enchantement. Bouclier de fer, hache de fer, je porte trop de trucs, ça fait chier. Alors, encore là. Pas besoin de traiter. Ah, voilà, cool mec. Voulez-vous me donner? On les a massacrés, tu peux rester calme. Alors, arme. L'arc de chasse, je te file. Ensuite, hache d'acier. Masse de fer. Hache de fer. Moi, bon, les deux autres, je défile pas parce que j'ai envie que tu gardes l'espadon. Hein, c'est très con, mais voilà. Puis une épée d'acier. Après, je te file toutes tes armures parce que j'en ai pas besoin. Hein. Je te les redemanderai après quand il faudra faire de la vente. Je te reprendrai tout, je revendrai tout. Mais pour l'instant, je te file tout parce que j'en ai pas l'utilité. Les vêtements, je te les donne. Hop, cuirasse de sombre, je te la file aussi. Et c'est bon. Passez devant. Voilà, en gros, en fait, tu es mon inventaire sur pattes. Hein. Voilà, c'est le choix que tu as, c'est le choix que tu as pris. Voilà, c'est ton destin. Mais bon, écoute, hein, t'as quand même une armure stylée, donc c'est pas très très grave. Hop, des toiles d'araignée. Yeah. J'aime pas les araignées. Hop, hop, hop. Ouais, moi je pille les tombes. Je suis un fou. Hop. On va passer par là ou par là. Ah. Ouais. Non, on peut passer que par là en fait. Alors, un Ragnar mort, encore. C'est glauque aussi, si, quand même, hein. Bon, un morceau de lin, je prends. Ouais. Un morceau de lin. Encore un. Je vais les garder, car il me semble que ça peut servir pour faire certaines capes et morceaux de lin. Donc, je vais les conserver, quand même. On sait jamais. Ah! Allez. Ok. D'accord. D'accord. Ouais. 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 Ah. D'accord. Ok. Je crois que je viens de comprendre. Ouais. C'est donc un truc piégé. Torche, je prends. Bon, on va éviter de trop s'encombrer avec les armures, tout ça en fait, parce que sinon le poids il va monter beaucoup trop vite. On va essayer de le garder pour les trucs vraiment intéressants. Donc écoute, bon, désolé. Alors, un serpent, un poisson, un serpent. Donc,
Ça, ça doit être une énigme. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Et c'est pareil pour tout ce qui est. Donc, je pars du principe que ça, c'était au milieu et c'est tombé. Donc c'est serpent, serpent, poisson. On va tester. Serpent. Serpent. Poisson. C'était ça. Bon, je vais monter vite fait voir s'il n'y a pas. Oui, il y a deux autres cartes à récupérer. Hop, hop. Voilà. Ouais, c'était ça, c'est bon. Aucun problème. Alors. Ouh, une gemme spirituelle. C'est bon pour l'enchantement. Ouais, là, il n'y a rien. Coffre. Ouais. 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 Doc de feu. Oui, ça peut se revendre, hein, toujours. Ah! Ouais, je prends, hein, on verra. Soin léger. Ah! Ouais, il m'a fait peur ce con. Non mais il est mort, c'est bon. Calme. Pas non plus chaque fois nous faire. Ah, des Ragnar. Voilà, tombe, c'est ça. Y'a pas un autre? Eh, s'il y en a un autre. Ah, ouais, bah bien joué, Sven. Hein, écoute, joli, joli, joli. Bah, ramène-toi, t'attends quoi? Tu veux que je te déplie le tapis rouge aussi, tant qu'on y est? Pas possible. Alors, ouh, parchemin boule de feu. Morceau de lin. Morceau de lin, je prends tout. Terre. Je ferai le tri à la maison. Je sais, j'ai pas de maison. Bref. Il y a quelqu'un. Arknir, c'est toi. Bjorn. Soling. Ah. Je sais que vous survolez avec lui, mais j'ai besoin de lui. Alors. Squelette. Tête d'or sur lui. Alors. Ok, ça, ça pue la merde. Mais genre beaucoup. Ça, voilà. C'est ce que je pensais. Oh putain! Elle passe devant, écoute. Oh putain, j'aime pas les araignées, mais en plus. Ah, c'est dégueulasse! Et tu vas crever, ouais! Quand même! Eh oui, c'est bon, on l'a tué. Calme-toi, toi aussi. Attends, je fouille un peu, hein. Minute, papy. Alors, sac 2. Urne. Ouais. Oh, mais ferme-la un peu, je vais venir. Vous avez réussi. Vous l'avez tué. Maintenant, libérez-moi avant qu'une autre créature arrive. Où est la griffe d'or? Oui, la griffe. Je sais comment elle marche. La griffe, les marques, la porte dans la chambre aux histoires. Je sais comment disposer tout ça. Aidez-moi et je vous montrerai. Quand vous verrez toute la puissance que les Nordiques ont cachée ici, vous n'y croirez pas. Ah, intéressant. Bref, je sais que oui, vous l'avez sans doute entendu, ce n'est pas grave. Donc, on en était où? Donnez-moi la griffe. Ouais, donnez-moi d'abord la griffe. J'ai l'air de pouvoir bouger. Vous devez d'abord me libérer. C'est pas faux. Abattez Arvel. Ah, d'accord. Elle se détend. J'obéis aux ordres, hein. Voilà. Alors. Oh, griffe d'or, je prends. Ensuite, journal d'Arvel. Et dans le reste. Sincèrement, sans intérêt. Alors. Non, ça, on s'en fout. Ça. Je récupère tout. Spirituel. Alors,
10. Ça, ouais. Du lin. L'urne qui est vide. Ouais. Hop, morceau de lin. Je prends tout. On triera à la maison. Hop. J'aime pas beaucoup ça. Moi non plus, c'est vrai que c'est assez glauque ici. Un drogue. Oh fuck. Salut. Non, 30 secondes. Je pille ton pote. Voilà, je suis à toi. Hop, finito, or, épée nordique antique. Ouais, une suffira, je pense. Il y a quand même beaucoup plus d'équipe. Ah, elle est pas mal. Ah, mais poids 22, quoi. Je peux pas me le permettre. Je peux pas vraiment me le permettre, c'est dommage. On va fouiller un peu les drogues qu'il y a aux alentours. Cadavre, hein. Hop. Ouais, ça. Non. Ah. C'est quoi ce truc? J'ai comme l'impression que si je l'actionne, je vais me prendre ça. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Bon. Ben, en passant fufu, hein. Ah, ça va, t'es pas con, toi, t'as pas marché dessus, c'est bien. Alors, j'ai quand même l'impression que. C'est pas ce que je pensais. Allez, prends-toi ça dans les dents. Hop, ça je récupère. Et c'est bon. Hop, on continue. Ah! Ah, d'accord, toi aussi, t'es. Oh putain, les mecs! Eh ben, mais c'est Iron Maiden! Trop bien! Ah, dommage que j'ai touché, mais. Ce coup, Sven, c'était magnifique! Là, sans déconner, respect quoi! Alors, toi, t'as quoi sur toi du coup? Parce que je suis pas prêt, c'est bon. Toi, alors. Ouais. Ah. Je suis derrière vous. Bon. Bon, une seconde. Oula. Oula. Attendez 30 secondes. Ah, zut. Voilà, donc oui, merci beaucoup Blazy pour ce petit message, c'est très sympatoche. Bref, bon. Alors on va continuer. Donc, alors Sven, tu vas attendre. Allez, ici. Voilà. Parce que ça, il va falloir. Voilà, ça maintenant on actionne. C'est bon. Et voilà. Alors toi, tu vas venir ici. D'accord. Voilà. Autre chose. Nous partons. Oui, maintenant allons-y. Je vais me suivre. Voilà, comme ça, je t'ai évité de te prendre des dégâts dans la gueule. Ouais. Ça sert à quoi ce truc? Oula. Ouais, c'était pas la meilleure idée que j'aurais pu avoir, effectivement. Ouais, pardon. Bon bah. Non, je ferai gaffe, hein. Ouais, je ferai attention. Putain, mais il y en a combien? Mais il y en a combien, c'est con? Bordel, c'est pas possible! Bon. Ah!
viens d'avoir une idée, moi. Non, Sven. Tant pis. Je t'avais dit de bouger. Tu vas survivre quand même, non? Oh. Pas me claquer dans les, entre les doigts là. Un bouclier de fer. Ah, c'est intéressant ça, je pense. Debout. Encore là. Heureusement, encore là, ouais. Que voulez-vous me donner? Alors. Non, c'est à moi de te filer. Tiens. Et en arme, est-ce que je peux te filer quelque chose? Ah, là par contre, non, je peux rien te donner. Bon, tant pis. Quoique. Ah, mais non, vous trouverez si vous avez besoin d'armes. Ah, je m'en fous de ça. Que voulez-vous me donner? Ah, mais j'ai beaucoup trop de trucs sur moi. J'ai beaucoup trop de trucs. Ouais, il va falloir que j'en drop certains. Tant pis. Passez devant, je vous suis. Il me regardait avec des gens. Oh! Bah oui, il faudra que j'en laisse un petit peu sur la route, écoute, hein. Alors. Ah bah ça tombe bien, il y a un coffre. Voilà, bonne nuit. Mais non, mais oh, putain, je suis pas parce que je voulais prendre mon pied. Hop, le coffre. Alors, ouais, ça. Elle est belle la jambe de fer, mais ça ne me servira guère. Et j'en ai déjà une, donc on s'en fout. Alors, hache d'acier. On va la garder quand même. On va essayer de déposer tout ce qui ne sert pas à grand chose. Attends, du style. Des dagues de fer, je vais en laisser. Ouais, je vais en laisser la moitié. Dagues d'acier, j'en laisse deux. Je vais laisser. Tâche d'armes d'antique antique. En tenue, qu'est-ce que je vais pouvoir laisser? Casque de fer peut-être. Ou autre chose, je sais pas. Divers, voir, peut-être. Ah bah oui, c'est tous les morceaux de lin que j'ai aussi, qui ça pèse autant. Bon, je vais en laisser. Ah, je vais en laisser 10. Ah bah oui, ça libère pas mal déjà. Voilà, c'est mieux. Et. Hop. Oula, mais c'est qu'on arrive à la limite au niveau temps. Bon, et bah écoutez, c'est la fin de cet épisode 8, je crois, si je me souviens bien. Et ben voilà, donc Sven et moi, on vous retrouvera pour l'épisode 9. On est dans les tertres des chutes tourmentées, hein. Je vais faire la sauvegarde maintenant. Hop. Voilà. Donc écoutez, aimez. Commentez, abonnez-vous si vous le désirez. Enfin, moi, ça, franchement, ça, j'aimerais beaucoup, ça me motiverait beaucoup pour continuer un petit peu cette petite série. Et je vous dis donc à plus et à la prochaine pour le prochain épisode, c'est-à-dire l'épisode 9, où on continuera à se balader dans le terre des chutes tourmentées pour peut-être choper cette fameuse pierre de dragon pour la ramener aux sorciers de la cour. Voilà, sur ce, écoutez, bah, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut!